Hey les gars, j'espère que vous allez bien, c'est Xanon YouTube. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tuto les gars. Un tuto assez important, mais avant que la vidéo commence les gars, j'espère que vous allez bien. Personnellement ça va nickel. Et du coup les gars, j'ai deux objectifs. Le premier objectif les gars, c'est 5 likes avant on va dire avant demain pour une vidéo sur Skyblock Minecraft. Petite série peut-être que je vais lancer ou bien sur un serveur sur lui. On va voir. Et à voir, les gars, j'aimerais bien atteindre 100 abonnés avant janvier, donc du coup, je vous compte sur vous pour faire exploser la barre de like et vous abonner et partager un maximum la vidéo, les gars. Donc là, on est sur un tuto Photoshop, comment le crack. Très simple. Donc, on va mettre le OBS ici parce qu'on n'a pas besoin, du coup. Ici, j'ai fait un lien crack Photoshop. Du coup, si je l'ouvre, ça, on va l'enlever. Le lien du site ici. Et puis on peut le laisser ça. Si vous voulez me faire des dons les gars, que voilà, c'est mes promos d'exception. Ici vous avez le lien du site. Donc ça vient d'une vidéo, je vais tester une vidéo les gars, donc ça je peux l'enlever. Je vais tester une vidéo les gars si ça marche encore le crack, parce que pour l'avoir. Du coup ici on a le site. Donc évidemment le lien du site sera en description les gars. Vous lancez votre internet. Un peu simple jusqu'à là, un peu difficile. Vous copiez le lien, vous allez atterrir sur une page méga. Rien de plus diffusé pour l'instant. Donc là, votre page méga charge, les gars. Donc si c'est bleu, c'est normal, les gars. C'est moi qui choisis, mais c'est dégueulasse. Il faut que je change. Je faisais des tests. Donc voilà, vous atterrissez sur une page méga. Vous voyez que le fichier fait quand même 1,66 Go. 1,70. Donc c'est pas mal. Vous cliquez sur télécharger, vous lancez le téléchargement, machin et tout ça. Il est là. Donc là, après, vous aurez un fichier complet. Donc vous créez un fichier. Vous créez un fichier, n'importe lequel, pardon. Vous faites nouveau dossier. Voilà, vous faites un nouveau dossier. Vous glissez, oula, vous glissez votre Photoshop compressé dedans. Et il vous faudra forcément une application d'extraction. Donc soit ZipZip ou WinRAR. Je vous conseille WinRAR les gars, WinRAR c'est gratuit, vous avez sur... il y a plein de trucs pour le télécharger gratuitement WinRAR. En fait, extraire ici, donc il va l'extraire. Vous voyez, pour fermer ça, donc là il va l'extraire. Tout doucement, il va l'extraire. Donc là on va attendre un petit peu les gars. Et pour vous parler de la chaîne un peu les gars, ce qui va se passer c'est qu'il y aura bientôt, là pendant une semaine, mon je tourne cette vidéo, il n'y aura pas de live parce que j'ai plus de 4G. Il y aura des live Fortnite, live Minecraft, il y aura reprise de la série Village. Je pense qu'il y aura aussi une série Skyblock sur serveur unique les gars où il y a des donjons et tout, mais je vous en dis pas plus les gars. Et ou peut-être ça va. Donc là une fois qu'il a fini, ce dossier vous n'en avez plus besoin. Vous avez un dossier Adobe Photoshop CC 2019, donc là vous avez pas mal de choses, vous avez tout ça et tout ça, mais tout ça vous y touchez pas, tous les dossiers ici vous y touchez pas. Et là vous avez un setup.exe. Vous lancez votre setup.exe. Oui, on va le lancer. Moi, il est juste à Photoshop, mais on va lancer quand même le setup.exe. Pour vous montrer, les gars, que c'est du vrai. Oui. Hop, voilà, les gars. Donc, ici, vous pouvez voir que. Voilà. Vous allez mettre votre langue en français. Voilà, vous pouvez choisir votre langue. Vous pouvez choisir l'emplacement du fichier. Après, vous faites continuer. Et vous suivez les étapes. Donc une fois que vous l'avez, je vous montrerai comment faire des miniatures par exemple Fortnite, vous lancez votre Photoshop. Donc si vous avez un PC un petit peu lent, évitez de mettre Photoshop. Utilisez plutôt des photofiltres, des trucs comme ça, parce que c'est... Photoshop CC est assez gourmand les gars. Enfin, je vais mettre là-haut. Hop, je vais mettre ça là, et ça là. Voilà, voilà. Donc Photoshop. Très important les gars. Non, attendez, hop là. Donc vous arrivez sur du coup le logiciel. Regardez, ouais, c'est pour ça pour bien. Vous arrivez sur un logiciel comme ça. Ça on peut fermer par contre. Et ça on peut fermer aussi. Ne pas enregistrer. Donc là vous arrivez sur un fichier sur un logiciel Photoshop comme ça. Donc, vous attendez un peu que ça charge, ça prend un peu de temps.
ça va prendre un peu de temps, attends que ça charge, voilà, tout ça. Donc là vous pouvez voir que j'ai fait des miniatures et tout ça, donc ça c'est peut-être un escape game que je vais faire sur Fortnite et qui va sortir les gars, donc je vous en dis pas plus sur ça les gars. Ça c'est mon logo de Team Mercy, ça, je sais même pas ce qu'il y a, il y a 2 ans je sais même pas ce que c'est, et ça c'est des backgrounds. Donc vous allez faire créer, pour faire une miniature, très simple. Vous allez prendre la 1900 bar par 1080. Là ici vous allez mettre la largeur, vous allez mettre en pixel, pixel pouce, 72 de résolution, couleur RGB, 76 bits et blanc. Donc là il va vous, ouais, vous faire un petit temps de chargement et là, il va vous lancer le Photoshop. Du coup, vous allez dire, mais comment on fait une miniature Fortnite? Donc c'est vraiment très simple les gars, donc là j'ai un dossier Fortnite. Avec, bon, ça fait pas partie de Fortnite, j'ai juste mis là-dedans, ouais, il y a des miniatures et tout ça, des miniatures test et tout. Ça, c'est un truc que j'ai trouvé sur internet, je vais vous montrer. Donc, lien pour miniature ici, vous avez les liens des skins Fortnite. Donc, si vous voulez mettre un skin Fortnite sur votre miniature, pense le site bug un peu, les gars. Donc, voilà, vous avez lancé ce petit truc là. Vous avez pas cliqué sur un skin n'importe lequel, là, on est sur, non, là, on est sur un Glender, donc ça va pas aller. Là, on est sur une pickaxe, il faut qu'on trouve un skin dedans, en fait. Voilà, outfit, ah si, je sais même pas c'est qui, est-ce que c'est en anglais. Bon, par exemple, c'est lui. Vous allez descendre, et puis voilà, vous allez trouver d'autres skins. Par exemple, aujourd'hui, il y a eu Dark Vanguard. Par exemple, vous prenez lui. On veut le Dark Vanguard, par exemple. Donc là, vous allez dire, il y a que des images. Donc, c'est du point PNG. On va faire ça, on va faire enregistrer l'image sous. Vous allez vous mettre sur le bureau. Vous lui donnez le nom que vous voulez. Donc, on va l'appeler, par exemple, ça, voilà. Vous lui donnez le nom que vous voulez. Ensuite, je vais mettre aussi ce lien-là, les gars, dans la description. Parce que du coup, voilà, vous allez faire ça. Vous allez copier le lien aussi de ce truc-là. Et là, vous allez avoir un dossier drive où il y aura Cinematic Pack 5, 7, 9, 11, 6, 8, 10. Pack 10 aussi, 16h10, 8, 6. Bon, il y a plusieurs saisons. Un pack 10 à 11, 11 dans Cinematic Pack 20, chapitre 2, saison 1. Et là, vous avez un Wolper Thunder. Donc, vous allez double-cliquer dessus. Vous lancez le Wolper. Le Wolper, les gars, vous avez plein de fonds. Plein de fonds. Vous voyez, vous en avez pas mal. Vous avez de quoi faire. Hein. Par exemple, qu'est-ce qu'on pourrait. Par exemple, pour apprendre. Donc, ça charge quand même pas mal. Vous voyez, on est tout dans une saison. Vous pouvez monter, hein. Il y a des wind turbines, il y a tout. Il y a de tout, il y a de tout, il y a de tout. Il y a de tous les goûts. Par exemple. Si par exemple. Faut un truc un peu stylé quand même. Par exemple. On va prendre par exemple cette image là. Non, pas cette image-là, cette image-là. Non, pas cette image. Mec, on va prendre... Non, pas celle-là. Je veux celle-là, moi. Voilà, par exemple, on veut celle-là. Là, 0,2. On a un peu galéré, par contre. Hop. Donc on attend que ça... Vous faites là le truc en haut, analyse antivirus. Donc il va analyser s'il n'y a pas de virus. Il n'y en a pas, donc les gars, vous pouvez télécharger en étant conscient. Donc on va prendre celle-là. Ok. Et il va télécharger. Donc on attend que ça télécharge. On attend que ça télécharge, les gars, voilà, bon, il a fini. Attends. Oula, j'ai pas beaucoup de choses d'ouvert. Donc voilà. C'est un peu fermé du coup. Donc là. On a tout ce qu'il nous faut pour faire une miniature. Vous avez créé pas ça. Ça c'est fait. Vous avez créé ici là, juste là, il y a une petite feuille avec un petit pli. Vous avez cliqué dessus. Mais pour avant, vous avez cliqué sur votre arrière-plan. Sur votre arrière-plan, vous allez faire fichier. Vous allez dans importer et incorporer. Vous allez sur votre bureau. Vous allez chercher votre votre petit background. Donc voilà. Donc je vais vous apprendre quelque chose. Donc si vous faites comme ça. Comme ça, voilà, vous pouvez faire shift pour arrêter de redimensionner les tailles. Par exemple, je vois shift, je peux faire un truc comme ça dégueulasse. Si j'arrête d'appuyer sur shift, voilà, il me remet la dimension normale. Du coup, vous pouvez vous remettre comme ça. Une fois que vous l'avez, votre background, il est posé, c'est stylé.
Vous allez sur le calque. Jusqu'à là, tout va bien. Vous allez faire fichier. Non, d'abord, on va faire autre chose. Vous allez prendre le rectangle, par exemple. Vous allez essayer de faire une zone à peu près correcte. À peu près pareil. Voilà, comme ça. Et là, ça va se mettre en couleur. Je vais dire, mais c'est dégueulasse. Donc là, vous allez dans option de fusion. Et si je dis pas de bêtises, c'est dans. Alors. Il faut que je trouve. Je crois que c'est pas. Attends, en même temps, je reteste parce que en fait, je sais plus où c'est. C'est clairement pas ça. Si je dis pas de bêtises, c'est dans. C'est dans un couillet de l'OP. En fait, c'est un truc, les gars, c'est vraiment très, très, très. Ah bah ouais, c'est dans option de fusion. Voilà, vous êtes dans option de fusion et là vous pouvez baisser l'opacité. Donc c'est-à-dire vous pouvez l'enlever carrément. Et en fait, vous allez mettre vert. Voilà, vous allez mettre comme ça. Les gars, vous allez mettre comme ça. Après, là, vous, si vous faites ça, ça va s'enlever le rectangle. Vous voulez ça à 100%. Voilà. Donc là, vous faites OK. Donc là, vous avez un petit fond un petit peu plus foncé. Non, faites pas ça. Vous avez un petit fond un petit peu plus foncé. Vous allez créer un autre calque, vous allez faire fichier, importer et incorporer. Donc voilà les gars, vous allez faire dans Il Poggi. Bah, je sais que vous avez un nom avec votre skin. Vous avez votre skin, voilà, vous avez votre skin. Là, clairement, vous pouvez mettre après où vous voulez sur le truc, vous pouvez le grossir, le rétrécir, vous pouvez le remettre. Oh, vous pouvez l'étaler, vous pouvez. Voilà, vous pouvez faire un peu ce que vous voulez. Donc moi j'aime bien qu'ils soient assez grands. Vous prenez assez d'espace les gars. Voilà, comme ça. Par exemple là les gars. Vous mettez juste là. Et là vous avez un début assez propre. Donc si vous voulez le déplacer, vous allez faire comme ça. Déplacer avec ton. Voilà. C'est propre. C'est pas non plus dégueulasse. Qu'est-ce qu'il faut faire? Maintenant vous dites oui, il n'y a pas de texte et tout ça. Mais avant, donc si vous voulez faire des contours multicolores, je sais plus trop comment faire les gars, donc je pourrais pas vous dire. Si par exemple vous voulez mettre, vous allez faire fichier, vous allez faire importer et incorporer, et que par exemple vous voulez mettre donc dans Minia ce truc là, où vous pouvez le mettre. Clairement, vous pouvez le mettre. Ça fait un petit style out miniature. Voilà, ça fait un petit style à miniature, voilà. Vous pouvez le faire. Ensuite, on va passer à un truc assez important. Voilà, on va passer à un truc assez important. Vous allez faire un nouveau cas. Vous allez mettre tout en haut parce que c'est le plus important. Vous allez faire texte. Donc là, en bas, ça va se modifier de deux points. Cliquez n'importe où, voilà, ça va se modifier. Là, vous allez changer évidemment votre texte. Par exemple, il faut mettre en même temps. On va faire le tuto de cette vidéo en fait. On va faire la miniature de cette vidéo, comme ça va être. Vous allez voir un peu comment on fait. Donc là, cette vidéo, ça va s'appeler tuto. On va mettre deux points. Miniature. Ouais, miniature. Et on va faire un truc plus tard. Vous allez faire ça. Vous allez faire style. Arc. C'est un peu élevé. Vous allez faire plus. Plus 6 à peu près. Voilà. Plus 6. Ensuite, vous allez déplacer votre texte plus vers là. Vous allez reprendre votre édition de texte, vous allez cliquer dessus, vous allez faire ça. On va mettre un petit peu plus sur ce texte-là, on va mettre 130 par exemple. Voilà. Donc là, on a le texte et tout. Voilà, bon, là, c'est un petit peu dégueulasse, c'est noir et tout. D'abord, vous allez faire dupliquer le calque. Vous allez bien faire comme ça, vous allez dupliquer le calque. Voilà, donc là, il était dupliqué. Vous faites Alt. Et vers votre mode, vous avancez vers les pixels que vous voulez zoomer. Voilà. Voilà. Et ensuite, si vous prenez l'outil déplacer, voilà, vous en avez deux. Donc là, on voit pas grand chose, mais du coup. Si je fais comme ça normalement.
Hop là, ouais, donc on va changer la couleur parce que. Lui, on va changer la couleur par exemple de lui. Non, ça marche pas si on fait ça. Donc on va faire option de fusion. Vous allez faire par exemple. Incrustation et dégradé. Bon, là il est dégueulasse parce que voilà. Et vous allez faire. Vous cliquez là-dessus. Vous allez cliquer sur les trucs en bas. Là, vous voyez qu'on a pas mal de vert en bas. Et en haut, on a du bleu. Donc, ouais, je cherche un petit peu un bleu. Un bleu, voilà, comme ça. Bon, on doit faire. On va faire un truc après. Donc là, vous avez changé. Vous voyez qu'on a du vert en bas. Donc, on va prendre un petit vert un peu. Voilà, un petit peu comme ça. Et vous allez faire inverser. Vous faites OK. Donc là, on a un texte un petit peu plus. Donc là, sur, on va mettre, la copie, on va la mettre en dessous. Ça, on va. Voilà. Au lieu de vous allez le mettre en noir. Et comme ça, vous voyez que là, on a un truc assez stylé. Avec un fond noir et tout ça. Vous allez revenir sur votre premier. Vous allez faire option de fusion. Et vous allez faire dans l'UR externe. Pas l'UR externe. Non, c'est pas l'UR externe. C'est dans contour. Dans contour. On peut l'enlever, mais on voit rien du tout. C'est où en fait? Vous allez faire un biseautage. Oui, biseautage d'abord. Et pour voir, on peut faire un truc stylé avec le biseautage. Donc, avec le biseautage, les gars, on peut faire un truc assez stylé. C'est un taille, vous pouvez le mettre. Voilà, vous voyez, on a un truc assez stylé. On va pas se mentir, les gars. Mais par contre, vous pouvez rajouter un petit tour blanc autour. Non, c'est l'UR externe, je sais pas de bêtises. Voilà. On peut faire votre c'est dégueulasse. Vous faites un petit peu grossier. Voilà, les gars, vous avez un truc assez stylé. Voilà, c'est parfait. Derrière, on voit que ça fait un peu des ombres. Si on zoome. Ça choque pas vraiment, ça fait un peu un style un peu 3D, ouais. Un petit peu, voilà. De loin, c'est plutôt parfait. Votre souci ne vous gêne ? Pas de problème. Vous allez faire option fusion. Et vous allez faire pareil, vous allez faire lueur externe. Ouais, vous allez mettre un petit contour à votre skin. Pas trop dégueulasse non plus, mais ouais. Un petit contour, un petit peu plus, voilà. Il vous donnera un petit peu effet, voilà. Vous allez reprendre un skin. Là, par exemple, moi c'est plus, plus, crack, photo, shop, voilà, ça tire un petit peu. On va déplacer ce petit truc ici. On va reprendre l'édition texte, on va refaire ça, vous allez faire arc encore une fois, dégueulasse évidemment, vous allez faire plus 6, encore une fois plus 6. Hop, vous allez le redécaler un petit peu mieux. Voilà. Mais dis donc, c'est assez stylé pour l'instant, les gars. Donc là, on va mettre ça sur le style, comme ça, on voit le P au-dessus. Faire option de fusion. Là, vous allez faire biseautage. Vous allez faire exactement la même chose. Vous allez essayer les paramètres exactement les mêmes. Oui, exactement les mêmes paramètres. Par contre, là, non. Là, par contre, comme on avait changé le skin, les gars, du coup, là, les paramètres, ils se sont restés. Voilà. Voilà, plus crack Photoshop. Mais on va faire comme tout à l'heure, on va faire une option de fusion. Non, non, non. On va faire dupliquer le crack, comme tout à l'heure. On déplace, on l'a encore en couleur. C'est un petit peu problématique ça. En vrai. C'est un petit peu dommage, crack Photoshop. Non, attendez où la copie. Là, la copie. La copie, option fusion. J'ai enlevé la crustation dégradée. Par contre, le crack Photoshop va au-dessus, bien évidemment. Donc voilà. Là, on est plutôt
pas mal dans la miniature, les gars. Et on va faire un autre truc ici à côté du 2. Si vous avez un truc ici, vous allez faire luminosité et contraste. Et là, vous allez régler un petit peu. Si vous mettez comme ça, ça fait des... Si vous allez un petit peu régler tout. On va toucher un petit peu à tout. Je vous donne un bon rendu, par exemple, comme ça. Et là, c'est fini. Surtout, faites pas enregistrer machin que vous allez faire. Vous n'êtes pas enregistré, vous faites enregistrer sous. Donc là, on va le mettre sous le bureau, dans le dossier miniature. On va lui appeler. Miniature tuto. Voilà, exactement comme ça. Et là, c'est très important. En format JPEG. Pas autre chose. Voilà, format JPEG. Vous savez faire enregistrer. Vous mettez 12 maximum pour une bonne qualité d'image. Et vous faites OK. Ensuite, vous faites enregistrer. Non, pas enregistrer. Là, vous faites fermer. Vous faites non. Vous allez dans votre dossier miniature qui est là. Et là, j'ai ma miniature qui est terminée, les gars. Voilà, j'ai ma miniature terminée, tout ça. Donc, après, vous allez monter votre vidéo. Vous mettez votre miniature. Et puis voilà, le tour est joué les gars, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu les gars, n'hésitez pas à liker, à partager un maximum cette vidéo, et moi je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos et de nouvelles aventures, allez !